Le ministère sud-soudanais du pétrole a déclaré qu'il accorderait sa première licence au premier trimestre de l'année prochaine. Il déclare que 13 blocs seront proposés à l'adjudication. Nous invitons tous nos investisseurs qui désirent investir au Soudan du Sud à venir et s'intéresser à ces blocs et aller de l'avant. Et nous essaierons aussi de fournir quelques données et informations. Notre équipe est déjà engagée et a déjà mis en place une cellule spécialisée à cet effet. Le gouvernement du Soudan déclare que la production de pétrole dans le pays se monte désormais à 178 000 barils par jour. Il espère atteindre les 250 000 barils par jour début 2020. Nous croyons qu'investir est un pilier essentiel de la paix et dans le passé, le pays a démontré que la stabilité allait de pair avec la prospérité économique. 5 années de guerre civile ont détruit certains champs pétroliers. Un accord de paix a été signé entre le gouvernement sud-soudanais et les groupes d'opposition l'année dernière. Et une paix relative est revenue dans le pays, mais Juba déclare qu'il manque de finances pour mettre en place l'accord de paix. Le gouvernement du Soudan du Sud recherche l'argent du pétrole pour tenter de mettre en œuvre l'actuel accord de paix. Cependant, des experts indiquent que pour que les investisseurs mettent de l'argent dans le pays, une paix durable devra être rétablie au Soudan du Sud. Nous attendons plus de vous que davantage soit fait pour créer un environnement qui nous permettra de voter avec nos portefeuilles. Nous attendons encore que vous facilitiez le climat des affaires. La Chine est actuellement le premier investisseur du secteur pétrolier au Soudan du Sud. Le gouvernement sud-soudanais espère encourager davantage d'entreprises de divers pays à également investir.